il y a un gros contingent de Bordelais. Est-ce que tu peux me présenter ces nouveaux qui arrivent? Oui, alors la crème de la crème même, on va dire. On va commencer par Marco Tolègne. Voilà, Marco, c'est un peu mon frère de jeu, quoi. Enfin, on est compère de la troisième ligne. Quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma, qui adore les répliques de films. C'est pour ça que j'accroche plutôt bien avec lui. Après, bon, il a deux, trois histoires qui sont sympas, mais faut pas les dire là. Après, on a Nance du coin. Pareil, on va passer le côté histoire avec Nance, mais après, c'est un peu le rigolo de la bande. Toujours là pour faire des blagues. Pas le dernier pour déconner. Merci pour le portrait. Après, on a Darly, qui est le mec sérieux un peu de la bande, le bosseur, celui qui a un gros mental. Et voilà, je suis très content qu'il soit là aussi. Donc, je souhaite le meilleur. Et derrière, on a donc Jean-Baptiste Dubié. Jean-Baptiste Dubié, le Montois de la bande. Bon, il est fan de moto. N'importe quoi. Il est fan de moto. Il avait pas envie de venir tout seul. Du coup, il a demandé à Jeff d'appeler Nance pour lui. Parce que quand ils sont pas ensemble, c'est compliqué. D'ailleurs, ça marche pareil avec Marc et Darly. Sauf que, voilà, il y avait déjà Baptiste et Jeff. Maintenant, il y a Marc et Darly qui les ont rejoints. Et eux, par contre, c'est vraiment quatre doigts d'une main. On peut pas les séparer. Donc voilà, on a pris ce qui se faisait de mieux à Bordeaux. Pas de plus intelligent, mais de meilleur sur le terrain. Donc c'est ça qui est bien.